Bon week-end à vous. Mon nom c'est Gilles Blas et j'espère que vous vous portez bien et que votre week-end se passe plutôt bien. La semaine dernière, j'ai commencé une vidéo. Bon, c'est vraiment cette semaine. J'ai fait une vidéo sur comment créer un thème WordPress et c'était la première partie de la vidéo que je faisais. Donc aujourd'hui, moi je vais continuer le tutoriel en vous montrant comment vous pouvez transformer le thème que j'ai commencé la semaine dernière en un thème statique, en un thème dynamique. Donc c'est sûr que comme tous les étapes, si vous avez suivi les étapes pour la vidéo de la semaine dernière, vous deviez vous rendre compte qu'en fait, c'est vrai qu'on avait pu générer un design qui ressemblait au design HTML de base, mais là, le contenu qui était sur le site était encore un contenu statique. Donc là, je vais vous montrer comment vous pouvez, grâce à PHP et quelques fonctions de WordPress, transformer le design en un contenu dynamique. Et par la même occasion, vous serez en mesure de faire toutes les modifications directement à partir du panneau d'administrateur. Donc, juste pour rappel, on a travaillé cette semaine sur un thème qui s'appelait Portfolio. Et on a téléchargé le thème sur le site internet Stat Bootstrap. Donc moi, je vais vous laisser le lien pour la vidéo que j'ai fait en début de semaine en bas en commentaire. Comme ça, si vous voulez en fait mieux comprendre le contenu de cette vidéo, vous pouvez tout simplement vous référer à cette vidéo pour être en mesure de mieux agencer et de voir comment continuer. Ok, donc là, on va commencer. Donc, si vous avez vu la vidéo, la première vidéo, on avait eu l'occasion de télécharger un thème qui s'appelait Stat Bootstrap ou Portfolio du site internet Stat Bootstrap, bien sûr. Et on avait été en mesure de créer déjà un design qui ressemblait au design de base. Donc, c'est sûr que là, présentement, il y a quelques fonctionnalités qui manquent et ce sont des fonctionnalités que nous allons essayer de fixer aujourd'hui. Donc, par exemple, quand je clique sur ces boutons, là, ça ne marche pas. Donc, si je pars sur le site de base qui était Stat Bootstrap, et je vais ouvrir Stat Bootstrap Free Template. Ok, un instant. Je pense qu'on va regarder le template qu'on a téléchargé la semaine dernière. J'ai le template de la semaine dernière. Thème. Landing page. Ok, je vais regarder ça dans landing page. Landing pages. Ok, c'était le thème de la semaine dernière. Par exemple, ce que vous allez remarquer si je fais live preview, ce qu'on va remarquer ici, c'est que en regardant le design de base, lorsque je clique ici, ça me donne en fait le contenu. Il y a vraiment un contenu qui apparaît ici, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des contenus qui apparaissent en forme de pop-up. Mais sur le design que j'ai, sur le template WordPress que j'ai créé, ça ne fonctionne pas. On va déjà commencer par fixer cela et on va comprendre pourquoi est-ce que cela ne marche pas. Donc, si je fais par exemple inspect, juste pour voir en fait les erreurs que j'ai. Je me rends compte en fait qu'il y a des erreurs qui s'affichent là. Et ce sont des erreurs du type 404. Donc 404, ça veut tout simplement dire que il y a des liens qui ne sont pas trouvés. Donc je vais essayer de voir comment je peux fixer ça. Donc si je pars dans mon fichier fonction.php, je vais me rendre. Ce que j'avais fait déjà la semaine dernière, il était question, j'avais déjà ajouté les liens CSS, mais je n'ai pas ajouté les liens JavaScript. Donc, pour être en mesure de fixer les problèmes, je vais devoir déjà ajouter mes fonctions, en fait mes fichiers JavaScript. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller sur mon fichier header.php et j'ouvre le fichier. Et là, j'ai mes fichiers JavaScript qui sont là. Donc, tout ce que j'aurai à faire présentement, c'est de retirer tous ces fichiers JavaScript et de les ajouter dans mon fichier de fonction, dans fonction.php. Donc là, je vais dupliquer ceci. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que WordPress utilise une fonction qui s'appelle WordPress enqueue strip
pour faire afficher les fichiers JavaScript. Donc là, je peux appeler ça. Ici, j'ai mes fiches, différents fichiers. Donc, je vais copier ceci ou je coupe tout simplement et je vais coller ici. Donc là, je vais enlever ça. Ici, donc, ok. Là, il sera question de transformer en fait tous ces liens en sous forme de fonction de base de WordPress. Donc là, je vais copier ceci. Je vais coller là. Là, dans tous les cas, je pense que je peux faire un chercher, find et je replace. Ok, donc je peux déjà supprimer en fait mon modèle de base. Donc, une chose que vous devez, vous voyez ici déjà, à partir de là, j'ai déjà ajouté tous mes fichiers JavaScript. Mais une chose que vous devez remarquer, c'est que ici, dans la structure en fait de WPNQ-Strip, c'est que il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre correspond au nom du lien qu'on a ajouté. Donc, vous devez vous rassurer que que le nom soit unique pour chaque JavaScript que vous ajoutez. Donc, moi, je peux appeler le premier lien jQuery. jQuery. Et le deuxième lien, moi, je vais appeler Easy. Mon troisième. Donc, et une fois que j'ai fait toutes les modifications, il sera donc question maintenant de voir dans quelle mesure sauvegarder en fait ma page. Et dès que je sauvegarde ma page, je peux repartir sur ma page, sur mon template et je peux réactualiser. Bon, là, ce que je me rends compte en fait qu'il y a une autre erreur qui est au niveau de Read, donc en fait qui est au niveau du freelance. Bon, je vais essayer de voir déjà si mais en fait si je suis en mesure d'avoir accès aux informations. Mais vous voyez déjà qu'en fait moi j'ai accès à ces informations-ci. Bon, on verra peut-être prochainement comment fixer l'autre erreur, mais cela ne m'empêche pas déjà d'avoir mes informations de base. Et si je reviens en fait ici et je fais inspect, si je fais inspect, je peux voir au niveau de mon bas de page tous mes fichiers que j'ai ajoutés. Donc vous pouvez les voir. En fait, vous pouvez voir ces fichiers-là qui apparaissent en bas de ma page. Donc, ça, c'est déjà un truc de régler. Donc, maintenant, il sera question de voir dans quelle mesure modifier le contenu qui est sur le site pour ne plus avoir un contenu statique. Parce que si, par exemple, j'ouvre mon fichier page.php, c'est que vous devez vous rendre compte, en fait, que toutes les informations qui sont là sont encore des informations statiques. Donc là, présentement, il est donc question de voir comment remplacer toutes ces informations par des contenus dynamiques qui peuvent nous permettre de faire des modifications directement dans l'arrière-plan du site, sans avoir forcément avoir besoin d'aller avoir besoin d'aller dans le code tout le temps. Donc pour ce faire, moi, je vais déjà commencer à voir comment remplacer les paramètres un à un. Je vais commencer par le titre. Bon, si par exemple, moi, je vais remplacer ce titre-ci. Je peux par exemple remplacer ça par par le titre de la page et ceci je peux remplacer par le résumé. Donc je vais commencer déjà, je vais aller dans page.php et je vais faire quelques modifications. Je vais localiser où ça se trouve le stade Bootstrap. Donc je peux définir, la première chose que je peux faire ici, je peux définir en fait ma variable post comme étant globale. Donc ça c'est une variable globale de WordPress qui permet de faire appel aux informations d'une page directement à partir de cette page-là sur laquelle on est en train de travailler. Donc j'ai défini ça comme global post. Je pense que l'information se trouve plutôt dans header.php. Donc je vais venir ici, je vais faire une modification. Donc à ce niveau, je peux définir Global Post et dans Global Post, moi je vais récupérer le titre de la page. Là, vous voyez ici, on a Stat Bootstrap qui est le logo, qui est au niveau du logo. Et ici, on a Stat Bootstrap ici. Donc, moi je vais remplacer tout simplement ceci par le titre de la page. Donc,
Ok, donc là, je fais écho. Post-title. Ok, donc si je sauvegarde ça et je reviens ici, je réactualise la page. Vous voyez déjà en fait le titre. Donc je peux modifier ici, je peux faire mes modifications. Et je peux par exemple faire une modification à ce niveau. Donc là, je vais appeler ça bienvenue je vais dire bienvenue sur mon portfolio. Si je clique sur sauvegarder, je repars sur le site. Vous voyez, moi j'ai bienvenue sur mon portfolio qui apparaît là. Donc je peux aussi remplacer ceci par le résumé de ma page. Donc il sera tout simplement question de revenir dans mon header.php et de remplacer l'information statique par un contenu dynamique. Donc je vais revenir ici, je remplace ceci par simplement ça par post exit. Ok, donc je vais cliquer sur sauvegarder. Si je reviens sur ma page et que je réactualise. Donc pour le moment, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ici c'est vide parce qu'il n'y a pas de résumé au niveau de cette page. Donc en fait, là on a déjà fait presque 13 minutes. Bon, dans une prochaine vidéo, nous allons continuer avec ce tutoriel et je vais transformer progressivement le thème en quelque chose de dynamique. Donc je pense que vous pouvez déjà voir à partir de là que les différents liens sont déjà là. Donc on a presque toutes les fonctionnalités qu'il nous fallait venant de l'ancien design. Donc, je vais probablement au courant de cette semaine continuer avec la vidéo en enregistrant une autre vidéo où je vais vous expliquer les autres étapes à suivre pour continuer avec la transformation de HTML en Bootstrap. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime ou à partager et aussi n'hésitez pas vraiment à laisser un commentaire si vous avez des remarques ou si vous avez des choses à ajouter ou vous aimeriez en fait, peut-être en fait mieux comprendre comment créer un thème WordPress. Ce serait vraiment un plaisir pour moi de vous aider. Donc, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et surtout un bon week-end. Portez-vous bien. Bye.